J'ai vu le ministre de la Réconciliation nationale être l'interprète de Brémacogné, de voir sa propre communauté, comme pour dire, nous avons quatre roues, les trois roues marchent, la roue qui ne marche pas, c'est la roue du foutard. Moi, tu me dis ça, je dis ça à mes parents, je dirais, je ne dirais pas ça. Parce que ça, ce n'est pas juste. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays où M. Rafakoni viole la loi tous les jours? Il veut organiser une élection. Et dit une élection législative. Il met dans le fichier le plus mauvais fichier qu'on n'a jamais connu. Fichier de 8 300 000 électeurs. Quand l'ambassadeur de l'Allemagne a posé la question à Mme Touré de la CENI, comment vous pouvez expliquer au monde que vous avez une population de 12 millions et qu'il y a 3 millions d'électeurs? 8 millions. Elle n'avait pas de réponse. Elle ne peut pas expliquer. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont 4, 5, 6 cartes d'électeurs. La même personne, 6 cartes. Et je vous informe qu'au Sénégal, en Angola, en Côte d'Ivoire, en France, à l'extérieur, les gens ne sont pas venus. Même le premier ministre Jean-Marie Doré. C'est quelqu'un comme argument. On demande, mais pourquoi il y a le nom de Jean-Marie Doré dans le fichier? Vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, non, c'est la faute de la famille de Jean-Marie Doré. La famille de Jean-Marie Doré vient de nous voir avec un certificat de décès. Nous soupçonnons, nous vous informons que Jean-Marie est décédé. Et dans le fichier là, il y a Jean-Marie Doré qui est là. Nous sommes dans quel pays? Quand le président de la CENI dit à haute intensité et avec beaucoup de fierté, un homme de gloire, il dit c'est la même carte qui va servir à organiser les élections présidentielles. On se pose la question. C'est-à-dire que celui qui arrive demain, celui qui a demain à 18 ans, parce qu'il est dit dans notre loi que quand on a, je passe sous votre couvert de vice-président, je passe sous votre couvert, quand quelqu'un a 18 ans, il doit être dans le fichier. Quand quelqu'un est décédé, il faut le sortir. Pour le président de la CENI, tous ceux qui vont mourir de maintenant là jusqu'au mois d'octobre seront dans son fichier. Les enfants qui arrivent à 18 ans sont exclus. Les Guinéens qui n'ont pas été enrôlés sont exclus. Ça, c'est le fichier Alpha Condé de Guinée. On ne peut donner aucun nom à ce fichier sauf le fichier Alpha Condé Premier et Guinée, le président de la CENI. C'est une honte. Mais c'est une honte! Dans la mesure où on dit que la carte d'électeur est devenue le vote le plus important. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous ne pouvez pas aller à la Mecque. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous ne pouvez pas faire le passeport. Si vous n'avez pas la carte d'électeur, vous ne pouvez pas ouvrir un compte bancaire. Ça, c'est la Guinée de M. Rafakoni. Mais c'est une honte, c'est-à-dire que c'est tellement une honte que pour faire un passeport, vous déposez l'argent à la banque, vous envoyez la copie de votre extrait de naissance, et puis c'est terminé. Qu'est-ce que la carte d'électeur a à voir dans ça? Vous savez pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils ont compris que vous avez décidé de ne pas retirer les cartes d'électeurs. Je vais vous le dire clairement ici et maintenant.
pas concernés par ce processus électoral. Ne retirez pas vos cartes d'électeur, ça n'a aucune importance. Ne les retirez pas. Si vous avez et que vous tombez sur une carte d'électeur, vous en faites ce que vous voulez. Madame la vice-présidente des femmes vous a dit ce qu'il faut faire des cartes. Mais vous n'êtes pas concerné. Je voulais m'adresser aux vieux. Parce que je sais que vous avez envie d'aller à la mer. Pour aller à la mer, on n'a pas besoin de carte d'électeur. Vous devez avoir votre passeport, payer l'argent, et c'est l'Arabie Saoudite qui donne le visa. L'Arabie Saoudite n'a pas besoin d'une carte d'électeur. Allez dans les mosquées, thank you.
C'est comme si on faisait une match de football entre Real de Madrid et Mali et Bel. Les militants avec ces quelqu'un.